Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu inattendue, mais il faut avouer que voilà, j'avais pas trop le choix que de la faire en plein milieu de semaine. Donc voilà, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans la journée. J'ai reçu le message d'une amie militante, et d'ailleurs Véronique, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Et voilà, qui m'a expliqué qu'en fait, une amie journaliste de son fils recherchait une adolescente végane pour faire un reportage du coup sur son quotidien. Et donc voilà, c'est moi qui ai été retenue. Donc j'ai été contactée par la journaliste en fin de matinée. Et voilà, et du coup BFM vient chez moi ce soir. Et voilà, je vais essayer de filmer un peu le tournage, etc. Et voilà, je vous dirai comment ça se passe. À tout à l'heure. Voilà, donc là je viens de rentrer du lycée. Et donc voilà, donc je suis passée faire 2-3 trucs. Et puis voilà, là on va monter et puis on va se préparer. Voilà, donc là je viens de rentrer, je me suis posée, je me suis pas changée parce que ça va pas servir à grand chose. Je vais aller prendre ma douche, je vais me ravaler un peu la façade parce que j'ai pas une tête géniale. Et puis voilà, puis après voilà, on va attendre tranquillement l'arrivée de la télé. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je viens d'avoir la journaliste, ils arrivent dans une demi-heure, donc voilà, moi j'en profite pour faire des courses avec mon père du coup. Donc voilà, je vais continuer la vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc on vient de finir le reportage, il est 22h42, donc voilà, donc c'est un peu le bordel. Donc voilà, parce qu'on a dû sortir beaucoup de choses, comme les cosmétiques, cruelty free, etc. Donc voilà, donc là je vais ranger et tout, je vais faire mes devoirs parce que je rappelle quand même qu'on est jeudi et que demain j'ai lycée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le t-shirt officiel de mon association. Donc voilà, j'ai pu en parler un peu et voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc on a fait pas mal de plans sur la façon, comme vous l'avez pu voir, dont ma mère cuisinait, enfin son avis sur le véganisme, l'avis de mon père, le mien, la façon dont je vivais le véganisme au lycée, etc. Donc voilà, du coup je vous tiendrai au courant du coup de la diffusion du reportage. Donc normalement j'ai la journaliste qui doit m'appeler demain matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas très très longue. Parce qu'au final j'ai pas pu beaucoup filmer parce que normalement déjà j'avais pas vraiment le droit il me semble. Et puis voilà, mais voilà, j'espère que cette petite séquence vidéo vous aura plu. Voilà, même si ça n'a pas été très long, voilà, vous aurez pu voir un petit peu mon expérience. Et voilà, et moi, comment je ressors du coup de cette expérience? Et ben j'en sors qu'en fait ça m'a enrichi parce que j'ai eu l'avis aussi des journalistes véganes. Pardon, n'importe quoi. Des journalistes sur le véganisme. Je raconte n'importe quoi, je suis fatiguée. Et ça se voit ma tête d'ailleurs. Et donc voilà, donc ils étaient deux, donc il y avait un homme et une femme, et la fille s'est même inscrite sur ma page de recettes plaisir vegan sur Insta et sur Facebook. Et puis elle a même goûté les cookies vegan que j'avais fait, donc voilà, ça m'a fait super plaisir parce qu'en plus elle a adoré ça apparemment. Voilà, donc après, l'homme journaliste, il était peut-être un peu plus réservé, moins patient, disons, sur la question. Mais bon, il nous a quand même écouté, il nous a donné son point de vue. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien et je juge absolument personne. Et voilà, donc moi je trouve que cette expérience, elle a été vraiment très très enrichissante. Autant pour moi, je pense, que pour mes parents. Parce que voilà, on a pu voir comment se déroule un reportage, etc. Faire plusieurs plans, des scènes, etc. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment bien. Voilà. Bon, je vais...
arrêter ma vidéo ici parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est presque 22h. J'ai des devoirs à faire que j'ai absolument pas fait. J'ai pas pris ma douche. Voilà, j'ai pas fait la vaisselle donc j'ai encore rien fait. En plus, il faut que je range tout ce soir donc voilà. Donc, je vais pas être couchée avant 11h du soir, je pense. Donc, voilà. Donc, je ferai ma prochaine vidéo du coup sur les différentes pratiques de chasse. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Et voilà. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi, je suis.